Cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, et c'est Delkino, et il s'agit de l'épisode numéro 5 de la messe à Angers. Parce que pourquoi pas. Nous en sommes à 8h37 et 42 secondes. On a pas mal de compétences, mais on n'a qu'une seule note. Alors on est dans la deuxième partie du jeu. Si ça se trouve, il y en a une troisième, quatrième, une cinquième. Si ça se trouve, le jeu ne finira jamais. Ça ne m'étonnerait pas, vu comme on s'est fait troll déjà. Que 11 sauts de puissance, mais on s'en bat les boobs. Donc on va voir ce qu'on va faire maintenant. Merci Koïma pour le titre. En parlant de YouTube, merci pour le lien vers Dorgan Elki. Ah, mais il n'y a pas de souci, oui, puis là j'ai fait. Hein ? Merde, ils ont sorti la suite. Tu sais, ton retweet m'a fait. Je te jure, j'étais en train de dormir en fait. Enfin, de me coucher en fait. Et je m'apprêtais à éteindre la lumière. Puis je regardais une dernière fois les Twitter, et là je vois ton tweet et je fais merde, la suite de Drogen. Oh là là. Et ben non. Et là je vais dire merde, un host de Drekker. Bienvenue Drekker, merci beaucoup pour ton host. Je parie encore un ou deux épisodes après celui-ci. Ouais, moi aussi probablement, voire plus, parce que on papote et on fait rien. On papote et on fait rien. Désolé, j'ai ça me gratoune. Alors, non mais non, qu'est-ce que tu fais, Elki? Déjà, il faudrait se rappeler, faut établir un plan. Établissons un plan d'action. La carte, comment la carte? Non, c'est pas ça la carte, c'est ça la carte, voilà. Ah oui, mais là, oui, d'accord, carte du monde, ok. Combien de portails fermés encore? Ben, on en a jamais ouvert un seul. 1, 2, 3. C'est pas les portails qui comptent, c'est les 5 notes, il nous faut 5 notes. On a 3 portails fermés. On a 3 portails fermés, mais on a surtout 5 maps qui manquent. Alors, savoir où elles sont... Donc, alors, la map... Tac... pas vu le raid? Bah oui, Kappa sur le raid, merci, merci, voilà. Mais c'est pas un raid, en fait, c'est un host. Donc, il n'y a pas besoin, les hosts, c'est tranquille, c'est peaceful, c'est paisible. Ça suffit, les anglicismes. Les raids, c'est agressif. Les hosts, c'est tranquille. Par contre, n'hésitez pas à faire un shout-out sur pour Drekker, les amis, parce que Drekker, c'est un streamer très très cool qui fait beaucoup de RPG. Il est plus courageux que moi, parce que moi j'adore les RPG, j'adore les tactical RPG, genre Baldur's Gate par exemple. Et ben Drekker le fait, mais moi j'ai pas les coronets pour le faire parce que ça dure 3000 ans. Quoique, j'étais en train de dire tout à l'heure que j'allais faire Fallout bientôt, donc voilà. Coucou Drekker, merci beaucoup pour le host en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de chez toi. Merci Jimlao. Alors, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Faisons un plan d'attaque. Donc on a pu conclure que chacun des portails donne vers une zone particulière, logique. Hein. Par exemple ici, on a des arbres rouges, donc si je me téléporte ici... ça va probablement m'amener aux collines automnales, les arbres rouges, voilà. Ok. Il faut qu'on récupère une note de musique dans certaines zones. On sait pas lesquelles, on sait pas où, voilà. C'est chiant. Donc, ce qu'on avait proposé la dernière fois, c'est d'aller sur celle-là, qui a priori est une zone où on n'a pas forcément tout découvert. On va regarder la map. Si je me rappelle bien, je peux me planter, mais... Voilà, ici, par exemple, là, on voit qu'il y a le couloir là qui monte. On n'a pas été sur le chemin qui va en haut. Pareil ici, en haut et à gauche. Donc on peut imaginer que potentiellement, la note de musique serait après. Que dit le bonhomme au milieu à côté des notes? Il dit de la merde. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Comment ça va? Bah ça va bien, D'accord, il dit tout le temps la même chose, lui, je crois. Hey, que dois-je faire maintenant? Ah non, c'est... Comment il... Devant un magnifique coucher de soleil, des botanistes affamés étaient trop patients pour leur propre bien. Voilà. Donc lui, il donne des prophéties, en fait. Je suis désolé, mon nez qui me gratte de façon assez affreuse.
Et on peut avoir les prophéties comme ça, elles sont aléatoires. Où vivent les morts, un ennemi devenu allié a laissé un objet important. Donc voilà, ça donne des indices. Maintenant, faut les endroits d'en visiter. Les zones à portail, me semble une bonne piste. Bah ouais, voilà. Bien avoir suivi le scénario pour comprendre. Oui, et puis surtout bien avoir fait attention au décor aussi, j'ai l'impression. Donc, bon. Ok, donc, bah écoutez, donc on va partir par là. Alors, comment est-ce que... Comment ça fonctionne déjà? Déjà, faut que je me rappelle. Je crois que je peux grimper comme ça. Voilà. Comme ça. Ah oui, sauf qu'il faut que je fasse mieux. Est-ce que j'ai... Ah oui, on peut planer, c'est vrai. Voilà, c'est mieux comme ça. Il faut que je me rappelle de tout ça. Ça va être compliqué. À chaque fois, je fais select pour pouvoir regarder la map, alors que c'est la gâchette gauche en haut. Et on ira bind en haut. Donc là, j'imagine que je fais... Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça. Ok. Ça, c'est à chaque fois, faut se rappeler un petit peu de... Mais merde. On va bind à gauche. Ici, il y avait un truc. Moi qui l'ai trouvé cette amulette, je travaille... Voilà, il faut qu'on trouve une amulette pour ce truc-là. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Ok. Alors, tiens, on va regarder aussi rapidement combien de gemmes il faut pour le prochain, la prochaine update. Non, je... Oui, si. Mais ouais. Donc, la prochaine update, ça serait ça. Non. 2000, voilà, 2000. 2000, il nous faut 2000. On a dit qu'on est, on attendrait 2000 gemmes. Parce qu'on est des oufs. Ça fait quoi ça? Donc, ça fait rien. Ou alors ça parle de trucs qu'on n'a pas vu encore, tel l'écureuil ninja volant. Peut-être. Le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens assez fous pour faire ça en vrai. Pour le scénar. Ouais, d'avoir mis des détails rapport au scénar, oui, c'est clair. Et de comprendre le scénar surtout, ouais. Ok, là on descend. Aïe. Merde! Ok, on fait que descendre. On descend. On descend. J'adore la zig de ce jeu. Est-ce qu'on peut descendre encore plus? Ouais. Olé! 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 Non, un fail. Grave fail. J'étais l'écureuil par rapport à la capacité de planer. Ouais, ouais, j'avais bien compris, ouais. Ok, et toi, tu rebondissais sur la marque de gym là-bas. Bah, je n'ai pas compris, alors. Voilà. C'est de me concentrer sur le jeu et de capter ce qu'on va faire. Bon, là, je peux tomber, du coup. Allez. Oh, putain. Ok. Là. Oh, ça glisse. Il y a un autre. Ok. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc là. Droite. Ok, on continue. Et merde. Les gens, c'est fou pour tester ce sport pour en faire un jeu vidéo tout en suicidant par la même occasion. Le truc... l'écureuil volant... Ouais. Mais putain, stop. J'ai plus de life maintenant, j'ai l'air con. Et là, on a eu... Ah non, on l'a pas eu ce truc-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se le teste? On se le tente? Non, je pense pas. Hein. On s'en fout, allez. Tu veux pas me donner de la vie, le jeu? Un petit peu, là. Apparemment, il veut pas. Oh là là. C'est vrai qu'on est monté par là, en fait.
Ok. On en descend. Voilà, merci. Ah, merci, voilà, il est gentil pour une fois, c'est cool. Le grappin, pourquoi tu veux le grappin? Tu veux que je fasse quoi avec le grappin? Ce que je cherche, hein, c'est aller aux endroits qu'on n'a pas vus en fait. Oh, on se calme. Oh, con. De toute façon, tout le monde sait, il y a toujours eu des morts dans tous les sports extrêmes, que ce soit en... Que ce soit dans ce genre de sport ou dans... Mais putain, même les... Tu vois, même en ski, quoi, même en skate, enfin... Au moment où t'es mort dans le griffe, t'as pas pensé au grappin. Ah d'accord, non, j'ai pas pensé au grappin. Ah merde, je peux pas, je pensais que je pouvais passer à gauche, par dessous en fait. Merde! Se calme. Oh mais... Steep, c'est le nom du sport ou du jeu vidéo? Bah y'a un jeu vidéo qui s'appelle Steep, mais je crois que c'est sur du snowboard, non? Il y a de l'aile. Je sais même pas comment ça s'appelle au final. Ça s'appelle pas l'écureuil volant le sport. Putain, mais. Ouais, le petit démon il est là pour me faire chier. Il bouffe les cristaux quand on est mort et il se barre quand il a envie de se battre.